Je m'appelle Hip, et eux, c'est ma famille, les Croods. On est dans cette caverne depuis une éternité. 3 jours, c'est pas une éternité. Ah si, avec cette famille. Maman, on est prêt à partir. Maman? Toujours vivante. Eh oui, toujours. On n'avait jamais pu explorer le monde extérieur à cause du grand précepte de mon père. Quand c'est nouveau, c'est mauvais. Ne jamais pas avoir peur. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que notre monde allait bientôt changer. Tous dans la caverne! Attention! Faut vraiment que vous voyez ça. Regardez! On y va? Non. Oh. On y va! Où sommes-nous? Je sais pas trop. Papa? Je m'en occupe, fils. Vas-y, papa! Ouais! Oh, mais c'est qui son vrai? Je me régale! Je m'appelle Guy. Et lui, c'est Brassé, cuisinier, causeur et copilote. Et ceinture, accessoirement. Faut pas rester là, c'est la fin du monde. Quoi? Tout ce qu'il y a autour de nous va disparaître. J'appelle ça la fin. Il nous faut une caverne. Je peux vous aider, suivez-moi. Je suis sûr qu'on réussira. Les Croods restent ensemble. Sauf vous deux. Ça prend trop de temps. Faut avancer plus vite, j'appelle ça des chaussures. Oh, je les adore, c'est super. Où sont mes pieds? Tous à l'intérieur. Hé, hey, regardez, cette caverne a une langue. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Du feu? Hé, hey, mais ça mord. Essaye de le semer dans les hautes herbes sèches. Je m'appelle Hip. Encore 5 minutes. 10 minutes. On est la première famille du monde. Les Croods. Ça va encore être une belle journée. Papa dit que la meute doit toujours rester groupée. Bravo, ma fille. Boum. Ceinture. On cherche l'endroit idéal pour s'installer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la fin du monde. Bon, cette fois, c'est fini. T'aurais pas un petit creux, ma star? Wow. C'est curieux comme toutes ces plantes comestibles sont parfaitement alignées. Génial. Je croyais qu'il n'y avait plus d'hommes des cavernes. Pour nous, grand plaisir rencontrer vous. Merci. Oh, nous sommes les Betterman. Les Betterman? Autrement dit, les meilleurs. Oh, oh, c'est là que j'habite. C'est spacieux. Salut. C'est une fille? Oui. Une autre fille? Une copine? J'ai jamais une copine. Moi non plus, moi non plus. Bon, on fait quoi? On commence par discuter. Et pourquoi on prend cette voix? Quoi? On hurle comme ça? Je ne sais pas si les hommes des cavernes ont leur place dans le monde moderne. Tu as un problème, mon grand? Cet endroit leur a tourné la tête. Guy? Ouais. Il faut qu'on limite le temps de fenêtre de Tunk. Non, Douglas, attends un peu, il y a les oiseaux. De mon temps, on les regardait pas, on les chassait. Je fais ce que je veux de ma vie. Waouh, c'est quoi? Une cicatrice. Chaque marque raconte une aventure. Mon père sait même pas que je me suis fait ça. Waouh, un petit orteil cacahuète. T'as pas le droit de sortir? Bah non. Alors cette ferme, c'est un peu ta caverne, quoi. T'es comme moi. Tu vois ce mur? Oui. Tu veux sauter par-dessus? Oui. On se fait rentrer avant qu'ils s'en aperçoivent. Tu as emmené Aurore faire une promenade. Pourquoi ses parents ont construit ce mur, à ton avis? Je le sens mal.
Si on veut survivre, la meute doit rester groupée. Le monde est tellement dangereux. Moi aussi, je me fais du souci pour ma famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Cercle d'attaque. C'est une belle journée pour mourir. Hey, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Pardon, chérie. On t'a pris pour un prédateur affamé. Ne vous excusez jamais d'avoir formé le cercle d'attaque. Oh, mais ça alors, toi aussi, tu portes un paresseux. Je me sépare jamais du mien. C'est trop pratique. Et trop stylé.